Si vous venez d'avoir un bébé et que vous avez l'impression qu'avec votre femme, c'est plus pareil, limite, vous êtes comme des colocataires, c'est tout à fait normal. Dites-vous, votre femme, elle vient de vivre l'expérience la plus incroyable et la plus difficile au monde, celle d'avoir un enfant. Et du coup, déjà de un, elle doit récupérer. Et moi, par exemple, qui ai fait un marathon, pendant un mois, j'étais pas dans mon état normal. Alors un accouchement, imagine le délire. Ensuite, dis-toi que maintenant, sa vie, elle a changé. Elle a un enfant, elle doit s'en occuper tout le temps et j'espère que vous en occupez ensemble. Si en plus, elle l'allaite, elle a une charge mentale de ouf. Forcément, les nerfs, ils sont tendus, donc forcément, des fois, elle en a marre. Même des fois, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais comment je vais faire? Et donc toi, ton but, c'est vraiment de faire tout pour qu'elle soit bien, t'occuper du bébé dès que tu peux, prends le bébé, va te balader, histoire que la maman elle puisse souffler un petit peu. Et en soi, c'est pas un service que tu lui rends, c'est juste qu'en fait tu fais ta part. Ensuite, la maison, on la range, on la nettoie, on fait à manger, on fait les machines, parce que maintenant que t'as un enfant, crois-moi que des machines, tu vas en faire tous les jours, limite tu vas faire des machines. Cherche pas à comprendre, ça fait 14 mois, je comprends toujours pas. Et ensuite, te braque pas. Oui, la maman, si elle est fatiguée, il y a des moments elle va pas te répondre comme toi tu veux, mais franchement, ne va pas dans l'embrouille. Et surtout, ne mets pas ton couple en question, parce que pendant un moment c'est difficile, parce que c'est maintenant qu'elle a besoin de toi la maman. Je connais quelqu'un de très proche qui malheureusement doit élever son enfant tout seul et je te jure que pour moi c'est une Wonder Woman. Mais franchement, je ne souhaite ça à personne. Ne fais pas partie de ces papas qui clairement ne font rien, qui limite c'est plus un poids que le bébé. Donc fais ta part, sois bienveillant avec ta femme et de toute façon, qu'on se le dise, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu as envie de bien faire et donc c'est que tu vas être un super papa et une super maman.